Tu es hors de l'eau! Non, petit oiseau! Petit oiseau, ne t'en meurs pas! Le petit poisson se noie dans l'air froid. Il est mort. Oh là là, Phil Drongon lui donne des défis. Et il les fait pas bien, il est vraiment nul pouce rouge, lol. Salut à tous, yo les Trashers, c'est Fildrong pour le nouvel épisode de Pokémon Insurgence. Aujourd'hui, le défi est simple. Tous les Pokémon que je rencontre, je dois imiter leur son. Ce qui fait que, comme je ne suis pas très très fort en imitage de Pokémon, ça risque d'être assez marrant. Bon, évidemment, Anus, Anus est distingué. Je ne vais pas faire leur cri à eux, parce que ce serait compliqué. Ils sont tous niveau 20, je les ai un peu montés, bah on les a montés à un niveau, et vous vous rappelez la dernière fois, là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous êtes tous en train de regarder la table. J'espère que je suis prêt. Oh, c'est mon pote! Est-ce que tu viens? Ah oui, il y a le tournoi Pokémon, d'accord. Je vais te défoncer. Salut! J'ai dit salut, voilà. Voilà. On peut y aller. Tout le monde attend. Je cours au ralenti. Ça commence bien. J'adore ce jeu. Toujours avec mes oreilles de chat. Alors, je croyais que c'était des trucs de diable, mais en fait, c'est des oreilles de chat. Mais bon, tant pis. Moi, j'ai mon Pokémon qui me suit. Les autres n'ont pas leur Pokémon qui les suivent. Damien et Fifou, on est les nouveaux. Blablabla. On va tous les défoncer. Voilà. Bien sûr. On parie que je vais tomber sur Damien au deuxième truc et Nora en finale. Bien sûr. Évidemment, Pokémon n'est pas du tout prévisible. Voilà. Voilà, sacré Anus. Allez, c'est parti, Anus. Bluff, déjà. Moi, j'ai pas peur, moi. Tiens, regarde. Voilà, pique-pique. Les matchs sont épiques. Oh, je vais faire le commentateur. Eh oui, oh, magnifique action. Le commentateur de Pokémon Stadium. Un très beau move de la part de Anus. Ah, vraiment, on sent qu'il s'est bien entraîné, ce Pokémon. Ah, c'était bien pensé. Eh oui, pour tous ceux qui ont joué à Pokémon Stadium, never forget. À jamais. Il y en a qui sont peut-être un peu jeunes, mais en gros, c'était un peu comme FIFA ou PES, genre le... Le mec était... Il racontait de la merde, quoi. Alors, un premier round excitant. Super. Voilà. Oh là là, les participants sont en feu. Oh, ah, tiens donc. Attendez. Hop, je baisse un peu le son parce que c'est un peu fort dans mon casque. Voilà. Salut Damien. Ils ont soigné mes Pokémon ou pas? Oh putain. Ah, il est type spectre, ce truc. Oui, ils ont soigné mon Pokémon. Il est niveau 17, le truc, hein. Ah, il est dragon. Oui, c'est ça, il est dragon et spectre, hein. Du coup... il est faible au type fée. On va essayer de le... Oh, waouh, trop beau l'attaque. C'était quoi, ça? C'était... Ah, c'était... Allez, empoisonne. Bon d'accord, en fait c'est de la merde. On va mettre Anus. Allez, fonce Anus. Voilà, Twister, ça ne m'affecte pas parce qu'il est de type dragon. Voilà, et j'ai appris Draining Kiss. Alors par contre ça c'est super efficace sur ma gueule, mais c'est pas grave, Shadow Sneak. Regardez ça, regardez-moi. Oh, regardez les PV. C'est bon les PV. Je me nourris. Voilà, je te fais un bisou. Mouah! Comme ça. Voilà. Ah. Excusez-moi. Corphish, type O. On va rester avec. Ah, il aura un Pokémon ténèbres plus tard. C'est bien, il veut que sa team se fasse défoncer par les types fées. Non, mais ça me va, ça me va. Tu sais, les rivaux, ils sont toujours un peu cons. Luxuo, type électrique. Gold type sol. Allez, Anus. Tu as bien servi. J'ai complètement oublié de faire les cris des Pokémon.
Ok. Attendez, ça veut dire que du coup j'en ai rencontré combien? J'en ai raté 1, 2, 3, 4. J'en ai raté 4, donc il faut que je fasse 5 fois le cri de Luxio. On dirait une mouette. Putain, je suis déçu. Je suis désolé. Ça ne se reproduira plus. Voilà, tu m'as complètement défoncé, effectivement. Voilà, et je suis contre Nora maintenant, qui va me ramener son Celebi, c'est ça? Voilà, Fifou et Nora. Allez, hop. Ah, je suis déçu. Mais cette fois, j'oublie plus. Il m'a suffi d'une fois. Attention. Ah, il est double fois... Voilà, allez, doublement faible à des attaques vol. Ok. Trapinch, type sol. Avec piège. Vas-y, reviens, Anus. C'est ça, hein, que tu faisais, hein. Je sais pas. Bulldoze, qui m'a fait mal. Putain, ça fait super mal. Voilà, je me suis rattrapé quand même, là. On peut pas dire le contraire. Attention, Bayleaf. Type... Type plante. Attends. Mais je suis nul. Peck, je crois que ça fait un peu plus mal. Oh là là, les dégâts. Bon, ça, je suis pas obligé de le faire, mais c'est juste par plaisir. Oh là là. Sérieux? Allez! Plus de puissance, la Peck, allez, hop! Oh. Je crois qu'elle va avoir... Ah, la... Tiens, vas-y, je vais t'empoisonner, du coup. Ah oui, d'accord! Tu veux le jouer comme ça? Ok, je vais t'empoisonner, tu vas voir si tu vas faire la maline. Voilà! Non, mais... Oh, crotte de Big Up. On va changer de Pokémon parce qu'on tape plus fort du tout. Et on va finir avec Anus. Allez, Anus. Ah putain, spam le soin là. Tu t'es cru en stratégie Pokémon, mais c'est moi le champion de stratégie Pokémon. Tiens. Oh, il m'a empoisonné. Voilà. Non mais, la meuf fait la maligne et tout. Niveau 21, super. Rival Nora, c'est ma deuxième rivale. Avec ses cheveux verts. Je ne pouvais pas gagner. Est-ce qu'il y a un meilleur dresseur que moi? Bah oui, c'est moi, tu vois. Tu viens de le rencontrer. Et voilà. Mais quel tournoi, les amis. Congratulations, Fifou. Je suis le champion. Bah voilà, j'ai fini le jeu. Fin. Mais non, je rigole. Ouais, allez, youpi. Je t'ai défoncé. Quel tournoi. Ah là là. Elle spammait synthèse, c'était fou, hein. Ça vaut des rediffs. Voilà. Retour. Oh, c'est bien ça. Je vais apprendre ça Je vais prendre ça à Nidorino parce qu'il n'a pas d'attaque vraiment très utile. Oui, on va... D'accord. Ouais, vas-y. Oui. Ah, il se spécialise. Type plante et feu en même temps. Oui, d'accord. Oui, prends des risques. Ta gueule. Ta gueule avec ton Pokémon qui spam synthèse. Voilà. Oui, aïe, oui. Nous sommes presque là, Grunts. Continuez à marcher. Oh, oh, oh.
Qu'est-ce que c'est donc que cela? Vous... Oh, une queue de cheval! Une queue de cheval! Bonjour, queue de cheval! Casse-toi! T'as vu mes oreilles? T'as vu mes oreilles? Regarde! T'aimes ça, hein? Tu peux voir mes oreilles? Hein? C'est quoi cette position? Bref. Tu vas te faire frapper. Je crois que j'ai peur de toi. Le mec c'est genre un rebelle et puis il a ce vieux Pokémon de merde. Je baisse un peu le son. Voilà, il se protège contre les coups critiques. Ah, j'ai pas fait le bruit du Pokémon. Non, c'était... Attends, on va voir quand il meurt. Quand il meurt. Attendez. Ouais, j'y étais presque. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Le mec a un Jigglypuff et tout. Ah, on va mettre Distingué qui a appris une nouvelle attaque. Et oui, Distingué. Toujours aussi Distingué. Et voilà, Jigglypuff. Et voilà, bonne meringue, hop. Et évidemment, je rate ma première attaque. C'est pas grave. Oh, mais elle est nulle cette attaque. Ouh, ça fait mal par contre. Voix désarmante. Ok. Bon, admettons. Alors. Oui. Allez. Ils sont partis dans la forêt. Des ruines anciennes. Lucario. D'accord, bon, c'est pas très original. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh. On t'a chopé, Riolu. Non! Non! Il est con, putain, mais passe entre les deux, là! Qu'est-ce que vous faites? Oh mon dieu! Tu peux pas voir que tu les ferais. En même temps, avec sa coiffure. Ah, il a une queue de cheval lui aussi, putain! Je savais qu'il aurait une queue de cheval. Bon, moi je. Kyogre! Ah oui, mais on les a déjà vus tout à l'heure, enfin la dernière fois. Putain, ils sont hardcore level du Nord, là, par contre. Twister. Même pas mal. Skrelp. T'es moche. T'es moche quand même. Merde, j'ai pas fait le bruit. Attends, j'ai pas fait le bruit du Pokémon. Attendez. Ok. Mais non, mais attends, c'est pas faisable ça. Ok, ne pas oublier. Ne pas oublier. Wow, il a fait abri. Elle est belle l'attaque abri d'ailleurs. Tiens, crève. Ok, d'accord. Niveau 19, hein, déjà. J'ai beau avoir entraîné mes Pokémon, je suis quand même pas loin. Hein. Voilà, allez. Viens mourir. Allez. Les duos des anus. Une impudence des enfants, blablabla. Oh, comment as-tu pu perdre? Pourquoi il faut toujours que je nettoie après? Oh mon dieu. Oh Lucario! Ta mère te sauvera pas. Ok, il faut qu'on l'attrape. C'est un méga! Oh merde. Méga Lucario. La méga évolution! Et il a les bouts des oreilles rouges. Vite, on se casse. Magnifique. Lucario! Il s'en va. Et Riolu aussi.
Je suis venu ici parce que j'ai entendu parler de ces ruines et je pensais que ce serait bien de la... D'accord, donc toi t'habites, ça fait depuis... Tu vis dans cette maison depuis un siècle, depuis que t'es né. Et genre, juste quand moi je décide d'y aller, t'y vas. Donc, en fait, tu m'espionnes. Hein? Hein? C'est comme la team Aqua. Ok. La méga évolution. Oui, la méga évolution. Et je vais appeler Mew pour voir. Attendez, je vais essayer d'appeler Mew pour voir. Bien sûr. Je vais appeler Mew. Je vais demander. Alors. Mon Dieu. Il s'agit tout simplement de ceci. Une boule de lavage. Ouais, j'ai trouvé un Riolu, je le prends. Magnifique. Ah bah voilà, en plus il endure. Donc quoi que je lui fasse, il tiendra. Voilà, parfait. Comment on va l'appeler? Oh, Lucario, j'aimerais bien avoir un Lucario. On va le capturer dans une première ball. Voilà, et on va l'appeler... On a distingué, on a Anus... Oh non! Ta mère. On va l'appeler... Patrick. Non, bon, ouais, il faudrait d'abord que j'arrive à le capturer, peut-être. Allez, Riolu, là. Ah là 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 là. C'est pour ça que j'aime pas la capture des Pokémon. 2, 3... Putain, ta mère de Riolu de... Vite. Poil. Allez. 1, 2, 3. Ah voilà, forcément, hein, je lance la Pokéball et je capture. Super. Ah oui, en attaque. C'est bien ça, non? Bon, c'est même pas bien parce qu'on a retour en fait. Ouais, alors Riolu. Patoche. Patoche. Voilà, Patoche le Riolu. Nouveau membre de notre équipe. Voilà, ce sera le quatrième membre de notre équipe. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, on va où? Tu es juste un enfant insolent. Respecte tes aînés. Ouais, alors la dernière fois que j'ai cru tomber sur ma grand-mère, elle voulait combattre. Alors, excuse-moi, mais non. Oui, non. Allez, Anus. Montre à ces petits nouveaux de... Oh, il m'a fait poursuite. Oh là là, je me suis fait prédire. Il savait que j'allais switcher. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, hop. Ah, ils ont changé les types. Ça veut dire qu'il est type ténèbres. Ouais, on va voir. Oh, c'est un Zoroark. Oh, le salaud. Le mec avait un Zoroark. Enfin, Zorua. Je comprenais pas, j'étais genre, mais attends, non, une attaque psy qui marche pas sur le type poison. Et un petit problème. Mais non, en fait, c'était. Un faux Pokémon. Un Zorua, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, c'est dommage. Allez, tiens, donne-moi ta vie. Je prends ta vie, je prends ta vie. Allez, gentleman. Au Paganum style. Ah, on arrive à la sortie de la grotte. Eh ben dis donc. Oui, on est à la ville de Suntouched. Je sais pas ce que c'est.
Est-ce que tu es là pour le gym? Bien sûr. Elle vient de me donner une Moonstone pour faire évoluer mon Nidorino. On va avoir un petit Nidoking. Oh ouais. Anus. Anus, alors Anus, mais laisse tomber Anus. On a un des Pokémon les plus stylés de la Terre qui arrive. J'adore ce Pokémon. Ok, ce Pokémon est trop stylé. Attention. Ah ouais. Ah ouais, avec la musique là. Yeah. Bon, allez, maintenant on va à la gym, on va défoncer. Avec notre Nidoking, on va déboîter le champion. Gerne, le second augure. Que ses coups soient critiques et ses focus blast never missed. Exploforce. C'est le mec avec la queue de cheval en fait. Erk. Ah bah dis donc, je sais que c'est le vrai méchant, ce mec. C'est sûr à 100%. Bon, donc l'arène, bref. Ça fait depuis un quart d'heure que je cherche cette putain d'arène et c'est ça, voilà. Bon, ça c'est l'arène, tu vois. Mm-hmm. C'est l'arène. Super. Putain de jeu. Oh, j'ai enfin trouvé cette putain d'arène Pokémon. Je crois que c'est l'arène Pokémon la plus planquée que j'ai jamais vue. Mais ça n'a aucun sens, je suis dans les airs, dans un milieu complètement machin, et là ils me mettent des petites fleurs. Crotte de bique quoi. Allez, je suis prêt. Salut. Un challenger, mon nom est Orion, je suis le leader de la ville. Je suis très fort avec les Pokémon de type feu. Tu veux battle? Bien sûr, je veux battle. Let's go! Souhaite-moi bonne chance. Est-ce qu'il vient de parler à un rocher? Oui, d'accord. Ce rocher, tout le monde veut savoir. C'est... Oui, on devient seul quand on est gym leader. Donc, il faut se trouver des amis. Et du coup, son ami, c'est un rocher. Oh, mais attends, mais c'est... Allez! Je descends là. Je descends l'endroit. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il a. Vulpix, ça va. Oh merde. Ah non, 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 ça va pas du tout. Il vient de lancer. Oh mon dieu. Ça fait mal, lance-flamme ou... Mon dieu, ok. Concentration. Boom, headshot. Ok, Larvesta. On remet Anus. Allez, fonce Anus. Un two shot. Et lui il fait PC glace. Le mec a PC glace. Quand même dingue. Et la potion, parce qu'il essaye de me brûler avec la peau là. Hein. Ça là. Ah non, ça va, c'est passé. Saloperie là. Voilà, exactement. C'est de ça dont je parlais. Pour ceux qui se demandaient. Ah putain. C'est pas grave. On l'a tué quand même, le Larvesta. Boom, headshot. Ok. Ok, Fletchinder. On va mettre Anus. Qui est encore celui qui fait le plus de dégâts, je pense. Ok, alors. On va y aller doucement avec le Lixid. Voilà, je ne suis pas de type plante. Par contre, l'acrobatie, elle fait un peu mal, hein, faut bien l'avouer.
une super potion. Donc voilà, alors bien vérifier sur qui ça va, ouais, parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Ah mais putain, mais c'est abusé sérieusement les dégâts. Je vais pas spammer à vie mes super potions quand même, c'est dingue. Allez. Ah voilà. Là je devrais tenir un peu mieux. Ou pas. Mon dieu, allez. Il va faire une autre attaque. Il va faire c'est mathématiquement. Regardez, je dois changer à chaque fois, c'est complètement à l'inf. Voilà, c'est bon là. Voilà, c'est bon. Cette fois c'est bon, je peux taper. Magnifique. Allez. C'est bon. Tout va bien. Voilà, super. Lui, il est mort. Boom, headshot. Ok, alors lui, ce truc est un danger public. Il spam sludge bomb et c'est tout. Voilà. Donc, je sais pas ce que je fais contre ce Pokémon. Je peux essayer de le paralyser, je pense. Je vais mettre Patoche et essayer de le paralyser. Ça pourrait être pas mal. Non, attends. Oui, si. Attends, non, hop. Voilà, copycat le sludge bomb. Hein? Ça a pas marché? Non, on va essayer de le paralyser. Allez, force palme, paralyse. Oh putain, je veux pas perdre encore. Putain, mais il est dur. Bah oui, parce que mon anus, il a été brûlé. Ok. C'est bon. Je suis en vie. Non mais t'es sérieux là? Ok, alors maintenant on spam pic. Voilà, c'est bon, on va le faire. Ok, il rate ses attaques, c'est bien. J'ai de la chance. Ok. Ok, on attend un crit alors. Allez, mon petit, meurs. Non, il a réussi à m'endormir. Quel Pokémon de merde, ce Pokémon de merde. Mais sérieusement! Allez, Anus, réveille-toi. Oui. Allez, pic. À nouveau. Oh putain, c'est Solar Beam qui arrive. Je devrais pouvoir en tanker un. Je suis obligé de me soigner. Ok, voyons les dégâts. Elle est moche l'attaque. Ok, c'est bon. Allez, pic. Si j'avais une meilleure attaque. Vas-y, fais une. Je te déteste, Ivysaur de merde. Est-ce que je peux me réveiller? Oui, je peux. Regardez, ça revient forcément à la base. Mon dieu, allez. Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Ça t'apprendra à faire ton malin. Allez, pic. Boom headshot. Tiens, bien fait pour toi. 1023 XP, putain. Ha. I lost, but what a great. Oui, c'était une super victoire. Oui, bah tu parles, oui. C'était pas mal, super. Voilà. Le badge thermal et flame charge. C'est pas dégueulasse. Bug and poison type, ça devrait aller. Ok, bon, on y est arrivé.
Merci à tous d'avoir regardé ce let's play. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash si ça vous a plu. Vous pouvez aussi commenter, liker. C'est nouveau sur ma chaîne YouTube. Moi, je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne se sont pas abonnés parce qu'il y avait des histoires de je fais pas de stratégie. Mais maintenant, il y a des let's play. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Le défi de la semaine prochaine est directement en bas. Et puis, je sais que j'ai oublié de faire plein de cris de Pokémon. Mais je vais me rattraper en faisant un Poké Rap. Promis. Allez, à plus.